Deuxième Mishnah, Shimon HaTzadik, Haya Mishiyare Knesset Agdola. Hu Haya Omer, Al Shlosha Devarim HaOlam Omed, Al HaTorah, Ve'al HaAvodah, Ve'al Gmilut Chassadim. Shimon HaTzadik, Simon le Juste, Haya Mishiyare Knesset Agdola. Il était parmi la dernière génération des membres de la Grande Assemblée. Et il avait l'habitude de dire Al-Shlosha Dvarim sur trois choses. Ha'olam Omed, le monde repose. Ala Torah, ve'ala Avodah, la Torah, Avodah, l'exercice de la Torah, ve'al gmilut chassadim, et la bienfaisance. Voici donc pour Shimon HaTzadik. Alors vous constaterez que Shimon HaTzadik reprend aussi les, à son tour, al shlosha dvarim. C'est exactement ce que nous retrouvons dans la première Mishnah qui émane directement de Anshei Knesset HaGedola. Al-Shlosha Dvarim, le monde, pour lui, le monde repose Al-Shlosha Dvarim aussi. Et vous allez comprendre qu'il y a un lien entre ces Shlosha Dvarim, ces trois messages, ces trois enseignements de Shimon HaTzadik avec les trois enseignements de Anshei Knesset HaGedola, des membres de la Grande Assemblée. D'abord à la Torah, alors que les membres de la Grande Assemblée ont dit « Hevu metunim badin » et Shimon HaTzadik dit à la Torah, à force d'étudier la Torah, on acquiert la sagesse. Et quand on acquiert la sagesse, eh bien, on introjette la circonspection. Quelqu'un qui a mis la sagesse en lui par l'étude de la Torah ne dit pas n'importe quoi. Et par conséquent, Shimon HaTzadik dit que le monde repose à la Torah, parce que la sagesse est le barrage contre les guerres, le barrage contre la famine. La sagesse donne le sentiment que les hommes sont frères, que je dois aider l'autre, et que par conséquent, si le monde doit continuer, il faut qu'il y ait cette fraternité entre les hommes. Or, pour qu'il y ait cette fraternité, il faut avoir le sens de la valeur humaine. Et on ne peut avoir le sens de la valeur humaine que lorsqu'on a acquis la sagesse. Et par conséquent, c'est la Torah qui va nous donner cette sagesse. Ve'ala avoda. À quoi sert la Torah? À quoi sert la sagesse si elle n'a pas d'application? Si elle n'entraîne pas l'homme à appliquer les conséquences de cette Torah? Or, la Torah nous dicte exactement notre comportement. À chaque minute de notre existence, nous avons une mitzvah. Or, la mitzvah me donne la conscience de la pratique. Je ne peux pas pratiquer une mitzvah si je suis inconscient. Mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot, on dit nos rabbanim, nécessitent la kavana, c'est-à-dire la concentration. La concentration, c'est la prise de conscience de soi. C'est la prise de conscience
que je suis en train de vivre et je ne m'oublie pas. Or que c'est le rôle de la mitzvah. Le rôle de la mitzvah, c'est d'arrêter le temps pour moi. Le temps ne passe pas hors de moi. À force de passer hors de moi, on peut arriver, quand le temps passe hors de la conscience humaine, alors l'homme ne sait pas exactement quand il a vécu et comment il a vécu. Et quand il arrive en fin de vie, eh bien, il se demande véritablement s'il a vécu et qu'est-ce qu'il a fait, et ses souvenirs se réduisent à très peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas arrêté le temps. Et c'est le rôle de la mitzvah d'arrêter le temps. Je ne peux pas me laver les mains d'une certaine manière en étant inconscient. L'inconscience est l'ennemi du judaïsme. Il faut garder constamment cet état de conscience permanent. Et par conséquent, pour Shimon HaTzadik, il y a la conséquence de la mitzvah, c'est-à-dire à la avoda. J'ai un enseignement. Si cet enseignement ne trouve pas sa partie pratique, eh bien cet enseignement ne résistera pas, il s'oubliera, parce qu'il n'y a que l'action qui remet la théorie constamment à l'état de la mémoire. Or, c'est la raison pour laquelle à la Torah d'abord, et à la Avoda. À la Avoda, ce n'est pas le travail. Avoda veut dire travail, mais dans ce cas-là, Avoda signifie la pratique de cette mitzvah. Quand j'étudie à la Torah, on apprend telle ou telle mitzvah, eh bien, il faut son application. Sans son application, cette mitzvah restera au stade théorique. Donc à la Torah, ve'ala avodah, et surtout al gmilut chassadim. Les hommes ne sont pas nés contrairement égaux. Ils ne sont pas égaux par la santé. Ils ne sont pas égaux par la longévité de la vie. Ils ne sont pas égaux par la chance. Ils ne sont pas égaux, ils peuvent être égaux devant la loi. Mais quand ils sont nés, chacun a sa constitution et ses conditions de vie et son milieu de vie, ses habitudes de vie qui sont différentes de l'autre. Ce qui fait que Gmilut Chassadim, la nécessité de rendre à l'autre un service, Gmilut Chassadim, est différente de la Tzedaka. La Tzedaka est beaucoup plus simple que Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim, ça veut dire je pratique la bonté. Veiller un mort relève de la Gmilut Chassadim. Accompagner un mort à sa dernière demeure, c'est Gmilut Chassadim. Aider quelqu'un basseter d'une manière non ostensible, aider quelqu'un, eh bien c'est Gmilut Chassadim. Aller rendre visite dans une maison de vieillard et discuter avec les vieux qui sont sur place et parler avec eux, leur apporter un peu de réconfort, eh bien c'est Gmilut Chassadim. Eh bien, pour Shimon HaTzadik, la Torah et la Avoda conduisent inéluctablement à Gmilut Chassadim. Or, combien de noms Bikur Hulim, visiter un malade, aller voir un malade, aider un malade, aider un vieillard, relève de Gmilut Chassadim. Et Gmilut Chassadim est au sommet
de toutes les mitzvot. Donc pour Shimon HaTzadik, il a donné ces trois messages. Mais pourquoi? Parce que Shimon HaTzadik aussi avait eu maille à partir avec les Grecs. Gmilut Chassadim est inconnu à cette époque-là du deuxième temple après l'invasion du pays par Alexandre le Grand. Et lorsque les Grecs ont pris le pouvoir jusqu'à l'arrivée des Perses, alors pendant cette période-là, que nous fêtons d'ailleurs une fois par an avec Hanouka, c'est eux qui ont détruit le temple, c'est eux qui ont mis des statues de Zeus dans le temple, c'est eux qui ont voulu, qui ont interdit la pratique de la circoncision, c'est eux qui ont voulu effacer le peuple d'Israël. Alors, automatiquement, ils ignoraient totalement ce qu'est la Gmilut Chassadim. Parce que la Gmilut Chassadim, c'est le respect de l'autre dans l'état où il est et sans que s'immiscer dans ses actions et je l'aide parce qu'il est une créature divine. C'est ça qui est Gmilut Chassadim. Et si Shimon HaTzadik donne ces trois choses, c'est parce que les Grecs ont interdit la Torah, ont interdit la pratique. N'oubliez pas que la révolte de Maccabées a eu lieu quand on a interdit le Shabbat et quand on a interdit la circoncision, quand on a interdit la cacheroute et tout cela, eh bien, c'est Avoda, c'est la raison pour laquelle il insiste sur Avoda et surtout sur le côté moral, Gmilut Chassadim, chose qui était totalement, presque totalement inconnue dans ce monde grec qui ne pensait qu'à lutter dans les stades et donner la plus grande note à celui qui a la force physique. Or, pour le juif, ce n'est pas la force physique qui compte, ce n'est pas la lutte dans les stades, et c'est véritablement l'étude. Et c'est cela qui compte, et vous trouverez ce message-là dans ces trois mots, qui est « Ala Torah, Ala Avodah, Ve Al Gmilut Chassadim ». Ces trois matières, ces trois compartiments comprennent la totalité de la vie juive, qui est le fondement même de notre existence, de notre pérennité, de notre particularisme, c'est notre étude, c'est la Torah. Et hors de la Torah, eh bien, il n'y a rien d'autre que sa pratique, Avoda, et qui conduit au comportement le plus moral possible qu'on appelle Gmilut Chassadim. Je vous remercie.